magnifique ici au Candlestick Park pour ce troisième match du championnat de 1989. Les Giants de San Francisco qui n'ont pas encore gagné. C'est fou la circulation qui est en ville. On aurait dû passer prendre ton père depuis un bon quart d'heure. Je te rassure, il ne sera pas étonné. Le retard est une tradition familiale, il le sait. En tout cas, on arrivera les derniers au restaurant. Justin, tu vas arriver en retard à ton anniversaire. Ça n'a rien de retard ordinaire, c'est une habitude, c'est ce qui fait toute la différence. Tu veux que je te dise, j'aime ta façon de voir les choses, mon amour. Mais vas-y, voilà. Oui! Oui, on est arrivé! Oui! J'y vais, je me dépêche. Je suis là dans une minute. Bonjour, papa. Je raccroche, ma fille préférée vient d'arriver. Bonjour, mon ange. Bonjour, je suis ta fille préférée. Aurais-je des sœurs cachées quelque part? Eh bien non, pas que je sache, mais si c'était le cas, tu serais ma préférée. Oh, je suis désolée, on est sérieusement en retard. Ce n'est rien, je vais aller chercher le cadeau d'anniversaire de mon petit-fils. Entendu. Il est tout excité, il pierre d'impatience. Voilà, c'est terminé. Je dirais 3.4. Non. 3.6, et j'ai gagné, non? Ah, tu viens de perdre. Je dis 3.5 d'une durée de 9 secondes. Bingo, c'est encore toi qui as gagné. Elle est incroyable. Désolée, Ben. Quoi? C'est la troisième fois en un mois qu'elle nous fait perdre. Ça t'ennuierait de nous laisser une chance? C'est hors de question. J'adore gagner. Donne-moi mon argent. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites là, traîner? On a du pain sur la planche. Ça recommence, regarde. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait 2 jours que chaque secousse est d'une magnitude beaucoup plus grande que la précédente. Au lieu que les secousses s'atténuent et qu'elles faiblissent, elles augmentent de jour en jour. Bert, je ne comprends rien, c'est insensé. Et qu'est-ce qui te fait croire que Justin a envie de te voir? Je voudrais qu'on essaie de parler tous les deux. S'il te plaît, Kimberly. Je t'assure que ce sera pas long, d'accord? Il faut absolument que... Non, c'est toi qui m'écoutes. On est légalement séparés. Tu n'as rien à faire chez nous. Et tu as l'interdiction de voir Justin. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Non, c'est vrai, c'est moi. En tout cas, ça ne change rien. Alors va-t'en, s'il te plaît. Je voudrais passer un peu de temps avec mon fils avant de le mettre au lit. Il est déjà tard. C'est notre fils. S'il te plaît, Kimberly, je te demande seulement de m'écouter. Non, non, Robert. Le juge a dit que tu ne devais plus l'approcher. Kleinman a dit que dans quelques mois, tu pourrais jeter ces béquilles. Que ta jambe serait comme neuve. Ah, j'ai hâte que ce soit fini. Ça veut dire que je pourrais jouer au foot à l'école, au basket et au baseball aussi. Au hockey. Et je referai du vélo. Tu auras des séances de rééducation, chérie, ne l'oublie pas. Alors du calme, champion. T'en fais pas, maman, je mettrai les bouchées doubles. Mon vélo manque, tu sais. Tu m'étonnes. Bon, en voiture. Attention. C'est bon. Attention à ta jambe. On rentre chez nous. Bonjour, Bert. Hé, hey, bonjour. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Il est repassé hier soir, hein? Ah oui? Comment tu le sais? Je devine toujours tout.
vois que l'interdiction du juge ne l'arrête pas. Non. Tu peux faire quelque chose? Non. Je crois que tu en as déjà assez fait, merci. J'en serais pas où j'en suis sans ton aide. Tu as lu mon rapport? Si je l'ai lu? Non, je l'ai dévoré. Jette un coup d'œil là-dessus, ça vient d'arriver. Ce sont les fissures qu'on a pu relever dans la forêt nationale d'Angeles, peu après la secousse de 3.5 d'hier. Elles n'ont aucun rapport avec les calculs effectués dans ce secteur. Et elles ne sont pas le résultat des tremblements de terre précédents. On note une augmentation massive dans ce secteur de la pression tectonique, surtout ces derniers temps. Et de ce fait, la poussée de l'activité sismique au cours de ces dernières 48 heures est extraordinaire. Tu sais, je n'ai pas le souvenir qu'on ait relevé un tel phénomène auparavant. Moi non plus. Tout ça n'a aucun sens. Nous sommes bien d'accord. Écoute, Kim. Je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai passé la nuit à lire ton rapport et je dois dire que ce que j'ai pu lire dedans m'a terrorisé. Alors j'ai pris une décision. Je crois que tu devrais passer un peu de temps dans la forêt d'Angeles. Il faut qu'on sache ce qui se passe exactement dans ce secteur. Oh. Tu n'as qu'à y aller avec Justin. Je te parie qu'il va adorer le camping, il a ça dans le sang. Et de plus, ça lui fera le plus grand bien, ça l'aidera pour sa rééducation. Bert, écoute, je doute qu'il soit très prudent d'emmener mon fils dans ce secteur. Non, tu sais, je serais étonné qu'il se passe quelque chose d'important là-bas. Et même si c'était le cas, vous seriez plus en sécurité à la campagne que dans une maison en ville. Oui. Kim, je sais que tu es l'étoile montante de ce département. Et après ça, ils vont publier ta découverte. Et ensuite, tout le milieu scientifique saura qui tu es. Et je crois que ce sera impeccable pour obtenir de l'avancement. Par ailleurs, tous les grands sismologues de la Terre donneraient leur bras droit pour une opportunité comme celle-ci. J'en sais rien, Bert. J'avoue que je suis assez contente de mon bras droit. Aujourd'hui, le président a rencontré les dirigeants des plus importantes sociétés d'armement du pays. Il leur a assuré son soutien et ses encouragements dans leur recherche des nouvelles sources de financement qui serviront à compenser leurs pertes dues à la réduction des stocks d'armes nucléaires dans le monde. Des pertes atteignant des sommes considérables. Le plan de désarmement américain se poursuit comme prévu par la destruction, la semaine prochaine, d'un lot très important d'armes de poing. Je crois que tu devrais passer un peu de temps dans la forêt d'Angeles. Je doute qu'il soit très prudent d'emmener mon fils dans ce secteur. Passer un peu de temps dans la forêt d'Angeles. Maman. Oui, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Le marchand de sable est en vacances? Non. J'arrive pas à dormir. Pourquoi? Papa n'a plus le droit de venir à la maison, c'est ça? Non. Il reviendra quand il aura trouvé une solution. Tu crois qu'il veut encore nous faire du mal? Non, je suis sûre qu'il n'a jamais voulu te faire de mal. Alors pourquoi tu lui en veux, maman? Il a des problèmes, Trésor. Tu sais, il ne l'a pas fait exprès. Si tu dis que papa n'a plus le droit de venir me voir, alors pourquoi il était chez le docteur l'autre jour? Il était chez le docteur? Oui. Un rapport détaillé vient de parvenir à notre rédaction concernant les secousses sismiques qui continuent de mettre à l'épreuve nos fenêtres et nos nerfs dans le sud de la région. D'après ce rapport, la dernière secousse aurait atteint une magnitude de 3.5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situe dans le sud. Est juste au-dessus du point zéro. Il n'y a pas grand monde dans la région. Rassure-toi, tu auras bien de quoi t'occuper. Ouais. Oh, ouah, regarde-moi.
cette fissure, bébé? J'arrive pas à croire qu'une magnitude de 3.5 puisse créer une fissure de cette taille. Oui, la cassure est vraiment très nette. Mais c'est à toi. Oh, le 4x4 et les motos sont à ta disposition. Ah, génial. C'est pas si mal que ça. Je vous rejoins à l'intérieur. D'accord. Oh. Alors, c'est génial. Plutôt chouette, non? Ah ouais. Ici, tout est alimenté par un gros générateur. Ah ouais. Oh, Justin. Ouais. Le coin là-bas, c'est pour toi. Le générateur est installé dans un abri situé côté nord. Et la réserve est derrière la maison. Vous avez de quoi tenir largement un mois sans aucun. On a rempli la réserve de nourriture sans oublier deux ou trois friandises pour deux. Mais je pense que vous aurez de quoi vous faire plaisir tous les deux pendant votre séjour ici. Je n'en doute pas. Les relevés sont stockés dans cet appareil qui procède régulièrement aux analyses. Si ça ne suffit pas, n'hésite pas à me dire. Dans ce cas, je ferai installer 5 capteurs supplémentaires et tu ne devras plus avoir de problème. Je suis impressionnée, Bert. Il n'y a vraiment pas de quoi. Tu es à 100 km de toute civilisation. Bon. On a essayé de te faciliter la vie le plus possible. Oh, ce sera le seul contact que tu auras. Nous avons une émission par satellite, mais aucune ligne terrestre. Entendu. Alors, Kim, ça va aller. Pourquoi moi, Bert? Pourquoi me donner cette chance? Sans doute parce que tu l'as gagnée. Oui, mais pourquoi tu ne restes pas, toi? Si tu fais des découvertes intéressantes, ça pourra te mener au sommet de ta carrière. Quoi? Et je raterai mon poker du mardi soir? Non, hors de question. Approche. Tu fais attention à toi, d'accord? D'accord. Bonne chance. Merci. Salut. Au revoir. Allume celui-là. Allume celui-là. Et celui-là. Ouais. Nous sommes prêts au décollage. Entendu. Ouais. 29. 30. C'est bien. 31. 32. 33. Chose curieuse, bien qu'il y ait d'étranges variations dans l'intensité de l'activité, et tout cela dans un faible rayon, la fréquence actuelle semble suivre un schéma inhabituel, et ça se produit chaque jour à la même heure. Chose curieuse, nous n'avons vu aucun poisson aujourd'hui. Maman et moi n'en avons pris qu'un. C'est un schéma inhabituel qui, bizarrement, se reproduit environ à la même heure, tous les jours. Bien. Une inspection interne de la zone de rupture nous révèle des indications physiques concernant l'étendue de la poussée en surface. Largeur 1m40. Profondeur 4m60. La nouvelle fissure est orientée à 3 degrés sud et 4 degrés ouest de la fissure primaire. Je vais procéder à un prélèvement d'échantillons tous les 50 cm. Dès demain, je viendrai installer un capteur à l'intérieur de la fissure afin de surveiller les déplacements ultérieurs des différentes couches. Et un des deux hommes regardait par terre comme s'ils cherchaient un trésor enterré. Est-ce qu'ils avaient l'allure de chasseurs? Ils avaient des armes. C'est étrange parce que la chasse est interdite dans tout ce secteur. Il n'y a aucune ville à des kilomètres. Par ailleurs, Bert a dit que la région était déserte. Mais tu me crois, n'est-ce pas, maman? Oui, bien sûr que je te crois, Trésor. Je n'ai aucune raison de douter. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, pourquoi tu ne m'as pas cru quand je t'ai dit que papa n'avait pas fait exprès pour ma jambe? Attention, accroche-toi, Justine.
le sud de la région à 16h43 cet après-midi. Cela n'a provoqué que quelques dégâts matériels, mais suite à des ruptures de conduite de gaz, plusieurs incendies se sont déclarés dans la banlieue de Los Angeles. Miraculeusement, il n'y a que des blessés légers, mais à l'heure qu'il est, les pompiers luttent toujours pour maîtriser les incendies. Un fonctionnaire de la mairie nous a confié que si les secousses continuaient d'augmenter en fréquence et en amplitude, des dégâts plus importants et des pertes humaines seraient malheureusement inévitables. Punaison. Mardi 17h27. Une secousse de 4.6 a frappé la région de Moggy Donut, à environ 1,5 km de l'épicentre précédent. Elle s'aligne sur le schéma inhabituel qui se produit dans la région depuis une semaine. La secousse a occasionné une rupture en surface qui traverse tout le secteur, ce qui a provoqué la coupure de l'unique route d'accès, ce qui veut dire qu'à présent, toute entrée ou sortie par transport terrestre est devenue totalement impossible. Dès demain, je procéderai à un examen plus détaillé. Maman ? Oui. Tu crois qu'il va s'en sortir ? Je n'en sais rien. Je vais essayer de contacter Bert. J'ai pas la liaison. Il faut que je m'en aille. Je n'ai pas le temps, je dois m'en aller. Je dois partir. S'il vous plaît. Je dois partir. Non, pour l'instant, vous restez là. Vous avez eu un accident. Rien ne vaut une bonne nuit de sommeil pour vous remettre un homme sur pied. C'est vous qui m'avez sauvé ? Oui. Merci. Tout ce dont je me souviens, c'est que le moteur s'est arrêté et que j'ai sauté. Ensuite, c'est le noir total. Vous avez eu de la chance ? Vous étiez seul ? Oui, j'étais seul et... je crois que c'est un euphémisme que de parler de chance. Où on est ? Perdu dans la forêt d'Angeles, loin de la civilisation. Je m'appelle Michael Brandis. Kimberly Stevenson. Enchantée, Kimberly. Vous avez sûrement une excellente raison pour vous être retrouvée dans cet arbre. Oui.
Je rentrais à mon bureau de Los Angeles après une réunion de travail. J'ai la nette impression que vous n'êtes pas là uniquement pour la beauté de la nature. Vous avez raison. Je suis sismologue. Vous, que faites-vous? Eh bien, je suis conservateur dans un musée de Los Angeles. Quel genre de musée? Peintre du 19e uniquement. L'impressionnisme est ma spécialité. Monet, Renoir, Matisse. Je ne suis pas branché art. Et moi, je ne suis pas branché tremblement de terre. Vous avez tort. Ça dépend si toutes les sismologues vous ressemblent. Faites attention à vous. Vous êtes trop faible pour draguer. Vous permettez que je passe un coup de fil? Non, il est hors circuit. Et depuis la dernière secousse, on est coincé ici. Ben comment ça, on est coincé ici? La seule route vers la civilisation a été coupée lors de la secousse par une fissure totalement infranchissable. Ah, Justin, voici Michael. Salut. Salut. Dis maman, on peut aller à la clairière, je veux m'entraîner à tirer. Non, plus tard chérie, j'ai encore un peu de travail. J'aurais voulu que papa soit là. Il serait venu avec moi. Justin... Tu sais, c'est pas juste qu'il ait pas le droit de me voir. Je vais aller là-bas tout seul. Je vous prie de m'excuser. Non, ce n'est rien. Vous est-il possible de me conduire où mon avion s'est écrasé? Je voudrais savoir s'il reste deux ou trois choses à sauver. Aucun problème. Tu y es presque. Tu veux que je te montre une astuce? Oui. Bon, alors remets une pierre. Regarde la cible et tu respires profondément. Ça va t'aider à te calmer. Maintenant, tu tires. Bravo! Joli coup. Parfois, dans la vie, ce sont les petits détails qui comptent le plus. Quand mon père était là, je m'entraînais avec lui. Et où est-il? Maman et papa ne sont plus ensemble. Oh, je suis désolée pour toi. Oui, c'est triste. Depuis que cet accident est arrivé, maman dit que c'est mieux que papa reste éloigné tant qu'il n'a pas résolu ses problèmes. Ça doit être dur pour toi que ton père ne soit pas là. Ouais, c'est dur. J'aimerais que maman ne le déteste pas autant. Écoute, j'ai une idée. Ça te dirait que je revienne tout à l'heure et qu'on fasse quelques tirs tous les deux? D'accord. Mais ne sois pas trop dur avec moi. Bien sûr que non. Je te laisse t'entraîner. D'accord. Fais quand même attention, tu pourrais blesser quelqu'un avec ça. Madame Stevenson? Oui? C'est l'Institut de sismologie qui m'envoie. Puis-je entrer? Je suis venu vous apporter du ravitaillement pour vous et votre fils. Oh, Bert ne m'a pas parlé d'une livraison pendant mon séjour ici. Oh, alors il a dû penser que vous vous en doutiez. Bien sûr. Mais au fait, où est votre fils? J'ai des jeux pour lui, j'aurais voulu les lui montrer. Il est parti faire un tour à la clairière. Je ne me suis pas arrêté depuis mon départ de Los Angeles. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Je vous en prie, elles sont là. Merci. De rien. Salut. Salut. Je suis passé voir Justin pour discuter. C'est vraiment un gentil garçon. Oui, merci. Salut, comment ça va? Attendez une minute. Vous avez dit que vous veniez de Los Angeles? Oui. Mais comment vous avez fait dans la mesure où la route est coupée? Allons le chercher. Il était à l'archive de Justine.
J'en suis sûre. J'aurais dû voir que c'était un piège dès le départ. C'est peut-être un des gars que Justin a vu l'autre jour. Justin ne risque rien. Personne ne sait où il est. Si, il le sait, c'est moi qui lui ai dit que Justin était à la clairière. Il est allé aux toilettes et il avait un talkie-walkie. Il a pu contacter d'autres personnes qui sont déjà là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Regarde ça. Attends une seconde, il doit pas être très loin. Non, ce petit rat est blessé, sans sa béquille, il ne pourra pas aller très loin. Cherche encore. C'est pas vrai. Attendez. Si j'ai raison, ils vont nous suivre. Approchez, messieurs. Est trop repérable. On va continuer à pied. Tout ce que j'ai sauvé de l'avion, c'est la trousse de survie. On garde ce qui est utile et on laisse le reste. Vous n'êtes pas conservateur. Pourquoi vous dites ça? Matisse est un fauviste et non un impressionniste. Ça, au moins, je le sais. Vous avez déjà vécu ce genre de situation. Vous êtes parfaitement à l'aise. Depuis quand vous êtes détective privé? Écoutez, je ne sais même pas où est mon fils, alors ne jouez pas avec moi, Michael. D'accord. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, on a signé des accords de désarmement avec les Russes. Dès ce jour-là, le président a demandé à toutes les sociétés qui fabriquaient des armes nucléaires d'arrêter sur l'heure toute activité. Ça impliquait que ces sociétés allaient perdre des millions. Une d'entre elles n'a pas respecté les ordres, elle en a même profité pour tripler sa production. Cette société vend des armes nucléaires au marché noir à de petits pays et ça lui rapporte des millions de dollars. La société en question s'appelle G-Corp, vous la connaissez peut-être. Nous avons découvert qu'ils étaient dans la région. Nous ? Quoi ? Nous, vous avez dit nous avons découvert. Kimberley, je travaille pour le gouvernement, je suis de la ASN, Agence de Sécurité Nationale. Voilà, à présent, vous savez tout. Justin a vu deux hommes par ici hier. C'est une partie de la région qui est normalement inhabitée. Vous pensez que ça a un rapport ? Est-ce qu'ils l'ont aperçu ? J'en sais rien, ça se peut.
Bon, si ces hommes appartiennent à la G-Corp, ils vont probablement vous chercher tous les deux. Ils ne peuvent pas prendre le risque de se faire repérer, surtout à un moment aussi crucial. Je dois absolument trouver Justin. Écoutez-moi. Nous sommes en situation de survie à présent et nous avons seulement gagné un peu de temps. Les gars qui étaient dans la Jeep ne suivront plus personne pour le moment. Je suis désolé. Vous devez me faire confiance, Kimberly. Justin ne risque rien pour l'instant. Vous avez l'air bien sûr de vous, je trouve ça étrange. J'ai infiltré la G-Corp, je les étudie depuis un mois, je sais comment ces personnes opèrent. Je pense qu'ils m'ont repéré la nuit dernière alors que je rentrais à Los Angeles pour faire mon rapport sur mes découvertes. Je ne sais pas comment ils ont su qui j'étais, mais ils ont saboté mon appareil. Le crash d'hier soir n'était pas un accident. Vous allez garder ça, on peut en avoir besoin. Je vais cacher la voiture. Ainsi, messieurs, je tiens à vous garantir que nos essais de demain vous prouveront de manière définitive l'efficacité de nos produits. Je suis parfaitement au courant de vos besoins et nous vous assurerons une livraison immédiate. Nos produits correspondent amplement à votre attente et ils sont indispensables aux objectifs fixés par vos nations. Donc, je parle au nom de la G-Corp et je souhaite une longue et fructueuse relation entre nous. Merci, messieurs. Bateman est là pour un rapport de la situation. Victoria dit que vous avez des nouvelles fraîches. La nuit dernière, l'avion de Brandis s'est écrasé en forêt. Il ne pourra pas faire de rapport sur nous à ses supérieurs. Je l'y travaille. Il y a autre chose. Une équipe de la base 3 a été repérée par un jeune garçon. Vous deviez dégager le secteur. Un enfant et sa mère séjournent là-bas dans une cabane. En vacances ? Nous l'ignorons. J'ai chargé une unité de régler cette affaire. Je vois. Monsieur Bateman, est-ce que vous avez une idée des conséquences que cela entraînerait si les choses devaient mal tourner ? Nous allons nous en occuper. Ramenez-moi la mère et l'enfant. J'ai une solution un peu plus radicale, monsieur Andrew. Non. Contentez-vous d'obéir et ramenez-les-moi. Je veux savoir exactement ce qu'ils ont vu. Quand j'aurai estimé les dommages, je prendrai une décision. Monsieur Bateman, je vous conseille de superviser vous-même cette affaire. Laissez tomber. Ils ont probablement bloqué toutes les transmissions après que Justin les ait vues. Que regardez-vous ? Mon bras droit. Mon patron a dit que beaucoup donneraient leur bras droit pour une telle expérience. Quoi ? Rien. Allons-y. Ils ne répondent pas au téléphone, ils ne sont plus à la maison depuis une semaine, je suis inquiet. De toute façon, en ce moment, vous n'avez pas le droit de les voir. Non, je vous en prie, Burt. Ne me dites pas que vous avez cru cette histoire, vous aussi. Écoutez, je sais que Kimberly ne m'a pas pardonné pour cet accident et je ne peux pas lui en vouloir. Je n'aurais jamais dû boire avec Justin dans la voiture. Seulement, je dois vivre avec cette faute jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi que Kim et Justin. Écoutez, je suis désolé, je croyais tout simplement que vous saviez où ils étaient, c'est tout. Ils sont en sécurité. On est obligé de passer par les marais pour traverser. Il se peut que Justin ne soit plus à la clairière. Il essaie peut-être de nous retrouver. Hey ! Non, ne faites pas ça ! Et pourquoi ? Ces gens sont peut-être...
qu'ils sont. Vous allez retenir votre souffle et plonger. Fais ce que je dis. Vérifiez votre équipement. On va se poser dans une minute ou deux. Cet hélicoptère est équipé d'une caméra à infrarouge, reliée à un ordinateur performant. Si on n'avait pas été sous l'eau, ils auraient pu nous repérer à cause de la chaleur de notre corps. De quoi vous voulez parler en disant que ces personnes n'allaient prendre aucun risque pour l'instant? J'ai pas très bien compris. Ces temps-ci, la G-Corp doit effectuer ses derniers essais nucléaires. Vous êtes complètement fou? Des essais nucléaires? Des bombes à neutrons miniatures. Elles sont si petites, Kimberly, qu'elles peuvent être expédiées sans qu'on puisse les détecter. Leurs essais ont progressivement augmenté. Et demain, c'est le plus gros. Il est très important. C'est l'aboutissement d'années de travail et de centaines de millions de dollars. Ils ne laisseront personne se mettre en travers de leur route. Oui, mais ils n'ont pas le droit de faire ça ici. Ils peuvent tuer des millions de personnes. Ils n'ont le droit de le faire nulle part. Mais ça ne les arrêtera sûrement pas. Nous avons peu de temps devant nous. Muez-vous. Oui, mais les bombes font du bruit, les gens les entendent. Non, pas quand on les fait exploser sous terre. Une petite minute. Vous avez dit sous terre? Oui, pourquoi? Parce que depuis quelques jours, il s'est déjà produit un certain nombre de secousses et elles étaient toutes centrées dans ce secteur. Elles augmentaient progressivement en intensité et elles se produisaient chaque jour à la même heure. C'est parfaitement logique. Il y a sûrement un rapport direct avec tous ces essais nucléaires. Vous pensez que la Terre tremble à cause des explosions? Oui, c'est ce que je pense. Toutes ces explosions peuvent être le catalyseur qui déclenche des tremblements de terre. Quelle est la charge la plus puissante qu'ils aient essayée? 2 mégatonnes. Et demain? 6 mégatonnes. Dieu seul sait ce que ça va provoquer en surface. Donnez-moi un pistolet d'alarme.
Merci de m'avoir sorti du filet. Vous vous en tirez pas mal pour une fille. Non, je suis un garçon manqué, que voulez-vous? Attendez, je vais nettoyer ça. J'ai reconnu le pilote de l'hélicoptère. C'était Nicolas Bettman, le spécialiste des sales boulots à la G-Corp. Un des meilleurs. Il repère sa proie et il ne la lâche plus. Il aura du fil à retordre. Ça va? Ça va mieux. Allons-nous-en. D'accord. Vous croyez que Justin a pu retourner à la cabane? On va aller voir. Vous allez rester ici, je veux d'abord aller jeter un coup d'œil. Si je n'éteins pas dans 30 secondes, vous filez d'ici et vous allez vous cacher. Non, pas question, je viens, je peux me défendre. Non, vous restez ici. Un de nous doit rester libre pour s'occuper de Justin. Vous restez ici. Ils ont fouillé pour essayer d'en savoir plus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé Justin. Kimberly, Justin est très malin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je n'arrive pas à croire qu'il ait à subir tout ça après toutes les épreuves qu'il a traversées. Vous parlez de l'accident? Il vous en a parlé? Oui. C'est étonnant, Justin est un enfant qui ne se confie jamais à personne. Sauf quand il sait qu'il peut avoir confiance. Et il a une grande intuition pour ce genre de choses. C'est son père le responsable? Vous savez, mon père a été tué en essayant de me protéger pendant le tremblement de terre de San Francisco. Je l'avais fait emménager près de nous après la mort de ma mère. Je sais que j'ai reproché sa mort à tout le monde, particulièrement à Robert. Alors, il a sombré dans l'alcool, lui qui était si sobre. Sa carrière d'avocat a commencé à battre de l'aile. Un jour qu'il était ivre, il est allé en voiture récupérer Justin à la sortie de l'école. 2 minutes plus tard, il a perdu le contrôle et il a fini dans un poteau. Justin a été gravement blessé à la jambe droite. Les médecins disent qu'il sera bientôt guéri.
À la clairière, Justin m'a dit qu'il avait une interdiction de voir son père. Est-ce que c'est vrai? Je sais que Robert aime son fils plus que tout sur Terre, mais je devais faire en sorte qu'il ne le fasse plus jamais souffrir. Alors je suis allée voir un juge pour lui interdire le droit de visite. Justin refuse d'entendre raison. Je fais ça pour son bien. Vous croyez? Vous savez, Justin est convaincu que son père ne l'a pas fait exprès. N'est-ce pas vous que vous protégez en faisant ça? Que voulez-vous dire? Rien, rien. Si je vous parle de ça, c'est parce que Justin aimerait revoir son père. Alors, vous êtes sismologue depuis longtemps? J'ai décidé de faire ce métier peu de temps après la mort de mon père. Vous n'êtes pas responsable. Il y a des éléments qu'on ne peut pas toujours contrôler. Oui, mais c'est le problème. Je veux dire, il doit bien exister un moyen d'avoir plus de contrôle sur les éléments. Regardez ces populations qui sont impuissantes devant un tremblement de terre. Et alors, vous connaissez la solution? Non, je n'en ai aucune. Mais je sais que je suis sur Terre pour en trouver une. Pourquoi? Pour vivre dans un endroit désertique, toute seule, avec votre fils? Je vous l'ai déjà dit, je suis un vrai garçon manqué. J'ai grandi au milieu de quatre frères plus âgés que moi, alors je n'avais pas vraiment le choix. Quand je suis entrée au lycée, j'ai eu un peu de mal à gérer la situation. Les garçons étaient toujours d'accord pour jouer avec moi, mais rarement au football. Ça ne m'étonne pas. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, je comprends que ces jeunes gens aient pu avoir envie de passer du temps avec vous, c'est tout. Oh mon Dieu. Quoi? Ce schéma est une visualisation des couches tectoniques situées dans le secteur des essais, à l'endroit même où ont eu lieu les dernières secousses. D'accord. Voilà. Il s'agit d'un système qui extrapole en fonction des principaux mouvements du sol et qui visualise l'évolution des failles en nous montrant les variations. On voit ici que les couches bougent à la vitesse de la pousse d'un ongle. Quel est le secteur concerné? 35 degrés 2 minutes nord et 117 degrés 27 minutes est. C'est juste à côté d'ici. Où est le site des essais? À une quinzaine de kilomètres, mais je n'ai pas réussi à trouver l'endroit exact. Oh, une minute. Les deux plaques ont glissé de 5 cm depuis les derniers relevés. Vous voyez, ici et ici. Je dirais que c'est une grossesse dont le bébé est allé au-delà du terme. Expliquez-moi ça. Oui, en réalité, c'est le terme qu'on utilise lorsqu'on parle d'une ligne de faille qui aurait dû rompre. Et de la façon dont ça se présente, je suis sûre que la force d'une explosion de 6 mégatonnes risque de dévaster la faille, ce qui va provoquer un énorme tremblement de terre. Et ça se passera en quelques secondes. Et croyez-moi, ce qui s'est passé avant à San Francisco et à Los Angeles aura l'air d'une belle partie de rigolade. On doit à tout prix les en empêcher. Oui. Écoutez, Ranger Ferry, c'est entendu. Oui, je comprends. Je comprends que vous ne soyez pas concerné par le fait que la liaison par satellite soit hors service. Mais je n'arrête pas d'essayer de les appeler. Oui. Bien sûr, oui. Cet homme avait l'air gentil. Oui. Je l'emmène partout où je me rends. Vous savez, je me demandais si Justin ne ressentait pas la même responsabilité pour avoir perdu son père que vous lorsque vous avez perdu le vôtre. Ce n'était pas la faute de Justin. C'est frustrant, vous savez. J'ignore comment lui faire comprendre. Kimberly, ce n'est pas non plus votre faute à vous si votre père a été tué. Peut-être que votre mari a ressenti la même frustration que vous. Peut-être que si vous arriviez à lui pardonner, Justin comprendrait mieux les choses. Alors, vous devez vous sentir mieux sans cette boue sur vos cheveux. Oui. Votre parfum est délicieux. Merci. Je vous remercie pour votre aide. Je vous remercie de m'avoir décroché de cet arbre. Thank you.
Vous m'avez menti. Je vous faisais confiance, mon fils vous faisait confiance. De quoi voulez-vous parler? Vous ne travaillez pas pour le gouvernement. Vous n'êtes qu'un traître, un sale mercenaire. Kimberly, je peux tout expliquer. D'autres mensonges? Peut-être même que vous allez redevenir conservateur. Ne vous fatiguez pas. Kimberly! Kimberly! Burt, vous allez avoir besoin de compagnie. Comment ça? Je sais où vous allez, Burt. Vous avez appelé l'héliport. La forêt d'Angeles est immense et vous aurez besoin d'aide. Écoutez, ça ne vous concerne pas. Les deux personnes que j'aime le plus au monde sont perdues au milieu de nulle part. Je pars avec vous, Burt. Thank you.
tout de suite. Vos mains, vous les laissez où elles sont. Vous devriez éviter de tirer sur la corde, Madame Stevenson. Silence! Johansson à Bateman, j'ai réussi à localiser l'enfant. Vous m'en direz tant. Vous êtes sûr de vous? Demandez-lui quelle est sa position, vite! Dépêchez-vous! Je viens vous rejoindre, Johansson. Quelle est votre position? Ils sont dans cette cabane. Qui êtes-vous? Mon nom est Bert Clavin. Je travaille pour l'Institut de sismologie du Pacifique. Et la femme qui réside ici travaille pour moi. Et je vous demanderai de bien vouloir lâcher cette arme. Une ligne de faille qui aurait dû rompre, vous l'appelez comment? C'est un bébé qui a dépassé le terme de la grossesse. Je suis Michael Brandis. Demandez-lui de partir. Envoyez-le n'importe où. Hey, Johansson. Ouais? Partez localiser le sujet numéro 2. Je m'occupe de l'enfant. Reçu 5 sur 5. Pour l'enfant. Je sais qu'il est quelque part dans la grotte. Il n'a pas pu aller bien loin. Descendez. Les mains au-dessus de la tête. C'est bien, vous avez dû voir ça à la télévision. Avancez. Et alors, cet essai, il est prévu pour aujourd'hui? Oui, depuis des semaines déjà. Et Kimberley a raison. Cette faille ne va pas tarder à s'écrouler. Quand ça arrivera, ça fera mal. Oui, très mal. J'ai rien réussi à tirer de la radio de l'hélicoptère. Vous savez, cela ne me surprend pas. Ils ont coupé toutes les communications. Les seuls messages qu'on peut transmettre sont ceux que G-Corp veut bien laisser passer. Pour l'essai, quelle est la procédure? Ils font tout sauter aujourd'hui. La petite d'abord et ensuite la plus grosse. Quoi? Pourquoi la petite d'abord? Eh bien, ils ont besoin d'un autre trou plus grand, parce que la 6 méga est si puissante qu'elle doit être placée en profondeur. Ça reste plus discret. Ça se fait où? Je l'ignore. Difficile à repérer. L'emplacement de la base numéro 3 est resté top secret jusqu'à ce matin. Mais j'ai quand même réussi à savoir qu'ils utiliseraient le puits d'aération d'une mine désaffectée, afin de ne pas attirer l'attention des avions qui pourraient survoler la base. Alors, ça peut être n'importe où dans ce cas. Bien, combien de temps entre les deux essais? La 2 méga va sauter à 16h50 et la 6 à 17h précisément. 10 minutes. Oh, trop court pour aller demander de l'aide. Nous n'avons pas le choix. Si, nous l'avons. On règle ça tous les trois. Bert, nous sommes là pour retrouver Kimberley et Justin. Vous êtes d'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. Écoutez-moi, Monsieur Stevenson, s'ils effectuent les essais comme ils l'ont décidé, ça n'aura plus d'importance. Dépêchez-vous! Oh mon Dieu, Justin, qu'est-ce qui... Dépêche-toi, trésor. On s'en va. Oui, mais je faisais du souci pour toi. Ça va aller. C'est fini. Il faut qu'on file d'ici, d'accord? Oui. Viens. Oui. Avance. Réglez ces détails.
confirmé 2.0. Bref. Bonjour, Andrew. Bonjour, Victoria. Bonjour. Belle journée. Tout est en ordre? Oui, tout est réglé. Bien. On a des nouvelles de Bateman? Vous le connaissez aussi bien que moi. Inutile de vous inquiéter. Je l'espère bien. Le transport devrait arriver à la base 3 dans une heure avec sa livraison. Je ne serai rassurée qu'après l'arrivée de la marchandise. Et si tout se passe bien d'ici ce soir, on aura terminé les essais et tout sera réglé. Ni vu ni connu, personne n'en saura rien. Vous êtes nerveuse? La 2 méga est en place pour l'explosion de forage. Excellent. Oui, c'est excellent. Je les ai cherchés toute la nuit. Nous avons peu de temps, alors j'espère que Kim retrouvera Justin. Vous pensez qu'on a combien de temps? Le camion transportant la 6 méga doit se diriger vers la base en ce moment même. Ce qui nous laisse 52 minutes. Il faut éviter que le véhicule arrive à destination. Oui. À destination? Comment ça? Aucun de vous ne connaît la destination exacte? Le site est certainement bien gardé. Ah, c'est bon, ça suffit, arrêtez. Vous comptez faire comment à trois contre tous ces hommes? Excellente question. Et on va les arrêter comment puisqu'on ne sait pas où ils ont mis la bombe? Moi, je sais où c'est. Papa. Il y a plusieurs jours, Justin a observé des hommes qui examinaient le sol dans le secteur. Je suis prête à parier que leur base n'est pas loin. Sinon, pourquoi aurait-il cherché à nous éliminer? Ouais, si Kimberley dit vrai, alors la base n'est pas loin. Justin se souvient parfaitement de l'endroit où il les a vus. Je vous y conduis, si vous voulez. Génial, et ensuite on fait quoi? Je crois que j'ai une idée. S'il lui reste, je m'en vais. Kimberley. Surtout ne lui faites pas confiance. Mais pourquoi? Je vais prendre l'air. C'est pas vrai. Kim. Quoi? Je comprends pas. Ce type a l'air parfaitement correct, tu sais. On a besoin de son aide. Non, on s'en sortira sans lui, je ne l'aime pas. Vous avez raison. Je suis un mercenaire, c'est vrai. Mais je suis du bon côté cette fois, vous ne risquez rien. Une compagnie m'a engagé afin d'empêcher la G-Corp de tester ses armes nucléaires aujourd'hui. Vous avez menti, je déteste ça. Il le fallait, Kimberley. Si je vous avais dit la vérité, vous ne m'auriez pas fait confiance. Et je m'en excuse. Kim. D'abord moi et ensuite Michael. Tu vas être à court de gens à détester. Tu le penses, Robert ? J'ai arrêté de boire. J'ai même récupéré certains de mes anciens clients. Oui, et tu as fait tout ce chemin pour me parler de ça? Non, j'ai fait ce chemin seulement parce que... il est possible que tout ce qui nous est arrivé se soit produit pour une bonne raison. C'est peut-être pour que tu fasses tout ce que tu as fait. Oui, et peut-être aussi que ça ne te regarde pas. Oui, il se peut que ton père soit mort pour une bonne raison. Et puis, il se peut aussi que je t'ai rejoint ici pour la même raison. Et quelle raison? Sauver la vie de toute une population. Ou sauver nos vies à nous. Je ne souhaite rien d'autre au monde que de vous emmener, Justin et toi, loin d'ici afin que vous ne risquiez pas votre vie. D'être à nouveau une famille heureuse. Justin avait cette photo dans sa chambre. S'il l'avait, c'est sans doute parce qu'il veut me donner une autre chance. J'ai encore beaucoup de travail.
Si nous avons vu juste et si le camion transportant la Cimega se dirige vers le site que Justin nous a indiqué, alors la base doit être quelque part dans ce secteur. Il va déposer sa cargaison, se rendre au centre de commandement et donner aux ingénieurs le code de mise à feu. Le centre de commande n'a pas encore reçu le code? Non, il joue la carte de la prudence. Il donne les informations au compte-gouttes pour diminuer les risques de fuite. Je suis persuadé que la 2 méga est déjà en place et je ne pense pas que nous ayons le temps de nous en occuper, c'est trop tard. Nous devons juste accepter le fait qu'ils vont la faire exploser. Je pense que la faille résistera à cette explosion. Elle a déjà résisté à une telle puissance les semaines dernières. Mais elle ne résistera pas à l'explosion suivante. Au revoir la Terre, adieu la vie. On doit arrêter le camion avant qu'il arrive sur le site. Ouais. Et comment? C'est une bonne question. Attendez une minute. La majorité des roches de la région se compose d'ardoises et de calcaire. On doit pouvoir provoquer un éboulement. Vous croyez que vous réussirez? Oui. Entendu. Justin va nous conduire jusqu'au site. Ensuite, vous deux, vous vous mettrez à l'abri jusqu'à ce que Bird vous récupère. Entendu. On a un plan. Allons-y. Doucement. Oh. Tiens, au cas où. Ça me rassurera. D'accord. Je suppose que Michael t'a bien aidé à voir les choses autrement. Robert, j'ai bien réfléchi. Oh, c'est là. C'est là qu'ils étaient. Ils sont là-bas. C'est par là. Oh, regardez ça. Oui. La route est là. Larguez-moi juste au-dessus. Appelez-moi dès qu'on rentrera. Je vous ferai connaître un restaurant chinois extraordinaire. D'accord. Espérons qu'il ne sera pas réduit à un chop suey avant notre arrivée. Je veux que vous restiez ici jusqu'à ce que Bert passe vous récupérer. Maman, je veux venir avec toi. Non, vous êtes plus en sécurité en restant ici. Je n'en ai pas pour longtemps, c'est promis. Kimberly? Oui. Merci de me laisser seule avec lui. Écoute, c'est ton fils aussi. Je ne voulais pas vous faire souffrir tous les deux. L'interdiction de visite. Dans 6 minutes. Compris, Cargo 1. Ah!
on va le contourner. Papa? Détends-toi. Je voudrais pouvoir en faire un peu plus. Plus que de rester ici avec moi? Non. Non. Rester ici avec toi est plus important que tout le reste, Justine. Assez important pour résoudre tes problèmes? J'ai arrêté de toucher à l'alcool depuis le jour de l'accident. Et tu l'as dit à maman? Je doute qu'elle accepte de me croire. Moi, j'accepte de te croire. Je savais bien que tu nous aimais. Maman le sait aussi. C'est elle qui me l'a dit. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué, toi aussi. Est en place. C'est bon, on s'en va. De la mise à feu. Commencez le compte à rebours. Séquence de mise à feu activée. Dis, papa. Ouais. Je vais chercher de l'eau à la rivière, d'accord? Non, s'il te plaît, reste ici. Il n'y a rien à craindre. Ça va aller. D'accord. Mais Bert sera là dans une minute. Ah! Il ne devrait pas être en retard. On va attendre ce bon vieux Bird, d'accord? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu, enclenchée. Ah!
Omega. Installation de la charge. D'un poste de télévision, c'est absolument incroyable. Mot de passe incorrect. Entrée code. Oui. Il ne reste que 30 secondes. Fonction. Changement du code d'accès. Fonction inconnue. Modification du code d'accès. Entrée code d'accès à modifier. D'accord. 10 secondes avant la mise à feu. Encore 6 secondes. 5, 4. Je dois faire vite. C'est bon. 2, 1. Mise à feu enclenchée. Mise à feu annulée. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le code d'accès est bon, alors recommencez ! Je vous ordonne de réessayer. Mise à feu annulée. Où est le petit? Laissez-moi tranquille! Pour la dernière fois, Madame Stevenson, où est-il? Vous n'en saurez pas plus en me tuant! Écoutez, pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre, vous, moi et l'enfant? Une minute. Vous n'allez pas me tuer. Si vous en aviez reçu l'ordre, ce serait fait. Vous m'auriez tiré dessus de l'hélicoptère! Vos chefs vous ont interdit de me tuer. Brandis.
savons que vous avez changé le code de mise à feu. Alors, vous devriez me faciliter les choses en me donnant le nouveau code. Vous savez, je serais ravi de vous aider, messieurs, seulement. Je suis désolé, j'ai de gros problèmes de mémoire. Bateman, la base 3. Où étiez-vous passé? Je devais terminer un petit travail. Nous avons un problème. Brandis est toujours vivant. Il a changé le code de mise à feu et il semblerait qu'il soit atteint de perte de mémoire. C'est bon, amenez-le dehors. Je vais le prendre avec moi et je vais lui faire survoler la base. On verra s'il a toujours des pertes de mémoire. C'était votre dernière chance. Allons-y. Justin, je crois que tu vas trop loin. Il a été super. Je t'ai dit que j'avais réfléchi. Tu m'as manqué, j'ai besoin de toi. Et la directrice d'exploitation Victoria Eflin ont été interpellées aujourd'hui au siège de la société. Lorsqu'on lui a posé la question à propos de la trahison de ses amis, le président a répondu que nous devions nous souvenir que pour un traître, il y a de nombreux héros.